C'est de si bons moments sur la terrasse à cette époque. Il y avait Maurice, le retraité, et puis mon vieil ami, Félix Mourgue, la Jeanne de la voirie. Si, le fils Mourgue. Oui, sa mère, c'était Jeannette Mazure, la femme du chaudronnier, Mourgue, qui habitait à Pozan, à Pozan-le-Haut. Ah, mais là, on s'égare aussi. Bon. Donc, à cette époque, on passait de ces moments sur la terrasse. C'était fantastique. Alors, figurez-vous que des fois. Mais comme elle est belle, tout en rouge. Moi, j'ai toujours été attiré par le rouge. Ouais, et ça te ferait pas de mal d'en picoler un peu moins. Pas étonnant que ça t'attire, avec la paire de cornes que tu te trimbales. En tout cas, ce petit, il est pas de moi. Parce que moi, je prends mes précautions. Ouais, mais moi, j'en prends pas. Hein. Il vaut mieux être sourde que d'entendre ça. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Des bêtises. Mais là, je disais qu'à ton âge, avoir un enfant, c'est pas courant. Hein. Mais c'est que t'as une sacrée santé. Hein. Oh, ouais, nous, on est à moitié foutus. Le matin, quand je me réveille, j'ai mal au bide. Je mets au moins 3 heures pour pisser 3 gouttes. Ah, mais en vieillissant, c'est la prostate. Ouais. Bon, moi, quand je me réveille, j'ai des douleurs et des courbatures de partout. En vieillissant, c'est les rhumatismes. Ah, mais moi aussi. Pas plus tard qu'hier soir, à mon couchant, il a fallu que... Tac, tac, tac. Un petit coup, hein. Et ce matin, en me réveillant, encore, bam. Encore un petit coup. Et tout à l'heure, après dîner, je dis à Sophie, si on se faisait une petite sieste crapuleuse. Elle me dit, oh, ça fera 3 fois en 24 heures. Alors c'est là que je m'en suis aperçu. Moi, en vieillissant, je perds la mémoire. Et une mauresque et un petit peu bien frais. Ah. Bon, avec ces chaleurs, on ne sait plus comment s'habiller. Eh bien, t'habille pas. Ça te gênerait, toi, Félix? Je la préfère habiller. C'est plus émoustillant. Vieux cochon, ne prenez pas vos désirs pour des réalités, Eva. Avec 2 pastilles bleues, on peut toujours y arriver, Eva. Moi, il me faut la boîte. Fais pas ça, malheureux. Et pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai essayé, moi, un jour avec 2 filles à la fois. Les jumelles et les signargues. Ah, je te le dirai pas, mais oui, aïe, 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 aïe. Et alors? Alors, 8 jours. Pendant 8 jours? Non. 8 jours, les bras dans le plâtre. Paralysie? Non. Elles ne sont pas venues. Hé, hey, vous avez entendu? Ils viennent d'arrêter le pédophile, à Mésidon. Eh bien, tant pis, les gamins seront privés de catéchisme. C'était le curé? Eh ouais! Oh, maintenant, ils devraient les laisser se marier. Avec les enfants? Mais non, imbécile! Se marier comme tout le monde! Qu'est-ce que tu en penses, toi, hein, du mariage des prêtres? Je suis pas contre, s'ils s'aiment. Eh ouais, tout change. Le monde change. Le temps change aussi. Finalement, il n'y a que toi qui ne changeras jamais. Tiens, par exemple, voilà, ça, c'est les photos de l'équipe de France de football. Ah bon, fais voir. Ça, c'est l'équipe de France de 58. Et ça, c'est l'équipe de France de maintenant. Tu as vu un petit peu comment c'est flagrant? Si c'est flagrant, il y a eu un sacré réchauffement de la planète. T'es en parlant de foot, voilà le fou. Oh. On a gagné! On a gagné! On a gagné! Patron, l'apéro pour fêter la victoire. Voilà, voilà! Et un bon 153! Un 153? Oui, c'est lui qui l'a inventé. Un triple 51. Honneur au vainqueur. Il n'a pas dessoulé depuis la dernière victoire de l'équipe de France en 1998. Et tu le sers encore? Mais, dans leur McDo, ils servent bien les gros. Messieurs. Bonjour. Bonjour. Quel charmant village. Je viens de m'y installer. Est-ce que je peux vous offrir une petite collation? Ah ça, je sais pas s'il en a. Mais moi, je prendrais bien un petit bleu.
Eh bien, moi, je prendrai la même chose. Patron ! Oui ? Alors, deux petits bleus et un ami. Un ami ? Oui, un pastis blanc. Ah ! Un anis ! Voilà, voilà ! Il est vrai qu'ici, vous prononcez différemment de moi. J'arrive de Tourcoing. Enfin, vous devez dire Tourcoing. Tu en parles, toi, Tourcoing ? Non. Moi non plus. Ah, vous savez, monsieur, Tourcoing, ici, on n'en parle jamais. C'est un garçon. C'est un garçon. Oh, merci, ma chérie. Je paye le champagne. D'ailleurs, il est au frais. Mais il y a autre chose. Assieds-toi, Léon. Rien de grave, au moins. Non, non, non. Mais tu sais, dans ma famille, on a un grand-oncle réunionnais. Eh bien, le gynécologue... Le gynécologue ? C'est toi, écoute. Oui, le gynécologue... Il m'a dit que le petit risquait d'être un peu coloré. Comme le représentant de chez Ricard ? Un peu, oui. Mais le représentant de chez Ricard, il est sénégalais. Mais un petit noir pour un bistrot, c'est bien. Mais il sera tout noir ? Non, il sera peut-être café au lait. Ouais. Avec plus de café que de lait. Non, mais c'est pas sûr, hein. Le gynécologue à qui j'ai tout expliqué, il m'a dit qu'on avait 10% de chance que le petit soit blanc comme toi. Je crois que pour le champagne, ça va attendre un peu. Mais oui, il est ici. Venez, venez, monsieur le gendarme. Te voilà. Vous êtes bien Mourgue Félix, agent communal ? C'est moi-même. Jeudi soir. À 23h30, vous conduisiez sur la route de Croupignan, à bord d'une berline, R5 grise, bleu, rouge et noir, et immatriculée dans le département d'ici. Ben oui. Nos agents de surveillance vous ont repéré grillant le feu rouge du croisement Croupignan-Valargues. Vous ne l'aviez pas vu ? Le feu, si. C'est mon collègue que j'avais pas vu. Ah... On joue au petit malin ? Eh non, monsieur le gendarme, ne faites pas attention, il est un peu dérangé. Vous prendrez bien quelque chose à boire, hein ? Un petit chardonnay. En service ? Toujours. Alors, ce feu, vous ne l'aviez pas vu ? C'était jeudi soir, vous dites ? Oui. Ah, c'était le jour du départ de Louloufonte. Et voilà, un petit chardonnay bien frais, monsieur le gendarme. M'en irez des nouvelles. C'est bon. Donc vous reveniez d'une fête et... Et j'étais sous comme un cochon. Ah, ah ben dans ce cas-là... Bonne journée, messieurs. Eh ben, tu l'as échappé belle, parce que d'habitude, ça rigole pas. Hein. C'est la cellule toute la nuit. Moi, j'ai trouvé une combine pour les gendarmes. Et quoi ? J'ai acheté une voiture anglaise avec le volant à droite. Et alors ? Et alors, je peux conduire en beurré ? Quand ils m'arrêtent, ils sont tellement cons qu'ils font souffler ma femme. Bonjour, messieurs. Bonjour, petite. Mais on vous connaît pas, vous ? Ah non, c'est normal, je suis la nouvelle bonne. Ah, bonne nouvelle. Et qu'est-ce que je vous sers, messieurs ? Ouais, comme à l'habitude. Et moi, ça sera la même chose. Attendez, patron. J'aimerais vous parler. Il y a ces messieurs-là qui m'ont demandé la même chose que d'habitude. Et oui, mais ça veut dire quoi ? C'est simple. La même chose que d'habitude, c'est une anisette. Et quand ils sont accompagnés de leur femme, la même chose que d'habitude, c'est un café. Et oui, mais s'il y a leurs femmes qui débarquent quand ils ont les anisettes. Ah là, ils t'engueuleront. Hein. Ils te diront que tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Et tout est quinti.
En attendant, tu leur sers leur anisette et avec le sourire. Voilà. Mais ils sont tous comme ça? Ah, tous! Et ceux-là encore, c'est les plus faciles. Elle était charmante, cette petite. Elle est restée 2 ou 3 mois chez moi. Alors de temps en temps, comme Sophie était fatiguée... Enfin, vous savez ce que c'est. Pardon. Donc je m'accuse, mon père, d'avoir commis le péché de chair avec la petite bonne. En règle générale, ça se passait dans la réserve. Là, quelquefois dans la chambre. Et puis même un jour... Pas de détails, peut-être. Ouais. D'accord. Mais attention, hein. L'allusion que j'ai faite tout à l'heure, hein, au prêtre pédophile, ça ne vous concerne pas du tout, vous. Hein. Oh, je sais que vous, vous préférez les femmes. Pardon. Ouais. Donc après, Maurice est parti. Il est parti à Paris. Il avait hérité un appartement de sa tante Agnès. Et comme il avait toujours voulu faire dans le spectacle, il est parti à Paris. Ah, j'ai des nouvelles, ça marche pour lui. Et puis alors, il a fait le régime, il a perdu beaucoup de poids. Et puis il se soigne, sas. Il prend un médicament qu'ils en font la réclame à la télé. Ça s'appelle Vital. C'est ça. Ah, ça suit, hein. Et puis, avec Maurice, nous, on était un peu tristes au village. Ouais. Et Sophie, après, elle a voulu aller habiter en ville. Elle disait que l'air de la ville, ça ferait le plus grand bien aux petits. Oui, notre fils, mon père, enfin son fils, enfin mon fils... que vous avez baptisé, d'ailleurs. Le petit Kevin. Kevin Youssouf. C'est original, hein. Voilà. Donc, on est allé en ville. J'ai acheté le café juste en face de la poste. Comme ça, je n'ai qu'à traverser pour aller placer la recette. Hein. Mais quand même, le village me manquait beaucoup. Surtout, mon vieux Félix... Et puis, un jour... Oh. Félix, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Figure-toi que j'en avais marre d'être seul au village. Hein. Maurice est parti à Arles. Toi, tu t'es installé ici, en ville. La solitude me pesait. Alors, j'ai demandé ma mutation, hein, avec promotion. Hein. Et me voilà. Ah, allez. C'est mon goût. Tu vas me goûter ce petit minervois. Elle est pas là, ta femme? Non, elle est partie à Nîmes chez sa mère, avec le petit. Il a passé le permis? Non, mais le représentant de chez Ricard avait un rendez-vous, alors il a amené. Et toi, alors, ce nouveau régime? Mais je fais pas le régime. Ah, imbécile, je parle du nouveau régime de retraite. Ah, attention, j'ai fait toutes les grèves. Et ils ne sont pas aperçus à la mairie. Alors, j'ai rien dit. Hein. Léon, je suis venu ici parce que j'en ai marre d'être seul. Je veux me caser. Il va falloir un grand casier. Mais te caser où? Me marier, quoi. Oh. Et qu'est-ce que tu fais? Mais je téléphone ou aux pompiers ou au SAMU. Mais arrête, c'est sérieux. Ah. Depuis que je travaille, je suis seul.
sans femme, sans enfant. Donc j'ai pu mettre quelques sous de côté. Quelques sous? On fait un peu, quoi. Un peu? Oui, pas mal. Mais ça suffit pas. J'ai besoin d'une présence. Une présence féminine. Léon, c'est décidé. Je me marie. Mais qui est l'heureux élu? Je sais pas. Toi, tu as Sophie. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un. Et puis, le dimanche... Et tu as l'huma dimanche, hein? Je crois que l'huma pour s'exciter. Arrête, obsédé. Y a pas que ça. Quoique, attention, hein. Je suis capable de me déchaîner. Hein. En fait, tu veux t'enchaîner pour pouvoir te déchaîner. Mais comment tu vas faire? Je sais pas. Comment tu as fait, toi? Oh, moi, c'était une autre époque. Tout ça, ça a changé. Maintenant, c'est moderne. Maintenant, ils font des rencontres sur Internet. Internet? Hein? J'ai entendu dire que c'était pas mal, Internet. Tu l'as, toi, Internet? Non. Mais je l'aurai. Alors, tu as surfé? Et tu as filé tous tes rencarts ici? Tu en as beaucoup? Figure-toi qu'au début, j'ai peiné un peu. Et puis, 200 rendez-vous. 200 gonzesses qui vont débarquer ici? Je sais pas où on va les mettre. Tant pis, on se serrera. Ouais, mais j'avais pas tout compris. J'avais oublié d'envoyer ma photo. Alors après, je l'ai envoyé. Et alors? Deux rendez-vous. Au moins comme ça, j'aurai le choix. Monsieur Morgue, pour annonce, s'il vous plaît. Oui, c'est ce monsieur-là. Merci. Monsieur Morgue, je suis Ivavna Grenstadouchka Rodrigueschki, descendante de Pierre Ivanovitch Romanov. Vous êtes de la famille des Romanov, celle qui passe tous les jours sur les chaînes de télé? Niet, je suis descendante du tsar de Grande Russie et je viens vous voir parce que vous me plaisez beaucoup. Oh, ça alors? Da, votre... grandeur, votre prestance, votre majesté impressionne-moi. Et puis je vous trouve très... Je vous trouve très... Très... Ah, c'est pas possible, je peux pas. Et qu'est-ce que vous ne pouvez pas? Je peux pas mentir à ce point, c'est ma mère qui a insisté pour me caser. Pourquoi? Pour ça. Le père, il est parti avec toutes mes économies. Allez, ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Je vais vous faire un petit chèque de compensation. Merci beaucoup, monsieur. Pardon. Merci, monsieur. C'est gentil. Peu cher, tu te rends compte, la pauvre? Je me rends compte qu'à ce tarif-là, hein, tu vas être ruiné avant tes noces. Clémentine? Oui, c'était le prénom de mon père. Ah bon? Mais ça me gêne un petit peu. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est ma coiffure, ma tenue, mon âge? Non, pas ça. Mais que vous soyez... Enfin... Que je sois quoi? Que je sois ce que je suis? Vous êtes tous les mêmes! Vous croyez que c'est simple et facile à assumer, vous? J'en arrive à devenir folle, je deviens folle! Une véritable folle? Ne vous mettez pas dans cet état! Ça va s'arranger. S'arranger? S'arranger? Personne ne veut de moi.
C'est peut-être vous qui allez me la payer, l'opération. Allez, allez, ne pleurez plus. Tenez, je vais vous aider un peu. À l'ordre de Gérard Sacrepeigne. Oh, merci, monsieur Mourgue. Jamais je n'oublierai ce que vous faites pour moi. Et si un jour il vous faut une confidente, je suis votre homme. Enfin, vous me comprenez. Merci. Et de deux. Grand couillon. Tu peux me garder le bar? J'en ai pour 5 minutes. Quel bien! Tu me prends pour un con ou quoi? Nadia, la fille. Ou tu me le rends, ou je t'envoie passer les vacances de Pâques, moi, au boulevard des Allongés. Des Allongés? Mais Nadia, je sais pas de quoi vous parlez. Tu es un malin, toi, hein? Peut-être que tu veux la garder, la fille. Remarque, ça peut s'arranger, hein? Mais si tu la veux, la gonzesse, t'allonges 50 000. 50 000, je les ai pas. Tu les as pas. Mais tu te démerdes, mon vieux. Tu te démerdes. Hé, regarde, je prends même l'échec. Ça fait beaucoup. Écoute, c'est 50 000, hein, ou je la prends, la petite, et je la trucide. Alors? Et j'ai pas de stylo. Il n'y a pas de stylo. J'en ai un mot. Ça y est, je l'ai retrouvé. Tu es fait, Alfred? Qui c'est celle-là? La ferme. Chantal Amoretti, police des mœurs. Amoretti, comme le commissaire Amoretti? Ouais, celui qui t'a coffré il y a 10 ans. C'est mon père, ça te dérange? Salope, va. Oh! Comment? Non, mais qu'est-ce que vous faites, là? Mais il vous a traité de salope. Mais il m'a giflé. Oui, c'est vrai. Oh, le con! C'est bon, les gars. Vous pouvez rentrer, c'est fini. Allez, embarquez-moi ça, là. Je vais chercher la fille. Allez hop! Oh! Un dernier pour la route. Je me dépêche! Allez, mourir! À Moretti! Audi! Allez, allez!
Monsieur Mourgue, j'aurais besoin de vous revoir plus tôt. Quand vous voudrez, où vous voudrez. Demain 8h? Oui. Au commissariat? Enfin, pour la déposition, hein? Ah bon? Celle-là, je crois qu'elle t'a tapé dans l'œil. Dans le cœur, Léon. Dans le cœur. En tout cas, ce coup-là, je crois que tu les as pour de bon, les menottes. À perpétuité, Léon. À perpétuité. Oh, tu es beau comme un dieu. Tu n'attendrais pas l'inspecteur principal à Moretti, toi? Et j'ai fait exprès de ne pas tout lui dire hier. J'attends qu'elle m'appelle pour qu'elle se revoie. Je crois que tu n'auras pas besoin d'attendre. Bonjour. Je peux m'asseoir? J'aurais quelque chose d'autre à vous demander, monsieur Mourgue. Je vous écoute, inspecteur principal. Pourriez-vous m'offrir un café? Café. Je ne sais pas pourquoi, mais avec vous, c'est un plaisir de se faire embarquer. Et puis, mon Félix est marié avec l'inspecteur principal à Moretti. Les méchants ont été punis. Mais moi, il y a une chose qui m'intriguait. C'était ce Clément. Enfin, cette Clémentine. J'ai voulu aller voir ça de plus près. Alors, j'ai demandé l'adresse à Félix. Il y était allé, lui aussi. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. C'est comme un ange. Oui, un ange. Mais à l'envers. Au lieu de ne pas avoir de sexe, c'est comme si ça avait deux sexes. Et là aussi, mon père, j'ai péché. Même plusieurs fois. Enfin, comme quoi, les voies du Seigneur ne sont pas toujours impénétrables. Mais c'est pas fini. C'est pas... Si, avec Clémentine, oui. Après, Félix et Chantal ont acheté une guinguette en bord de mer. Ah ouais, ouais. Alors, depuis qu'ils nous disaient d'y aller, j'ai pris des congés, ma femme, le petit, et on est allé les voir. Alors là. Ici, Senghor, Maison Ricard, j'écoute. Madame? Ah, Jenny? Madame Delfos? Je suis un peu en retard. Oui, vous aurez votre dose. Là, je suis en main, en clientèle, en livraison. Oui, je me dépêche. À tout à l'heure. Ah.
Oui. C'est ici. Un havre de paix. Vous avez raison, Félix, hein? Qu'est-ce que tu as? Rien, rien. Allez. Hello. C'est quelqu'un? Ah, mes amis! Enfin, vous voilà! Ici à me faire le souci. Vous êtes venu à pied? Non, on a laissé la voiture en bas. Ouais. Pour profiter du paysage. Ah, ouais. Ah. Ah. Il y a une autre mais c'est beau, hein? Ah. Chantal n'est pas là? Si, elle est à la réserve, là, mais le représentant du Chéricard. Elle compte les bouteilles. Il est encore là, celui-là. J'y vais. Comme ça, le verra le petit. Et lui aussi. Comme ça, Chantal verra le petit. Hein? C'est vrai que tu es le roi. C'est beau. Puis c'est calme. Oh, calme, pas tant que ça, hein. Figure-toi qu'ils se sont mis dans l'idée de tourner un film. Là, juste à côté. Alors, ils font soi-disant ce qu'ils appellent des sortes de casse-tinges. Oui, oui. Alors, je te dis pas, ça défile toute la journée. Et ils te donnent quelque chose? Toi, non, non. Mais par contre, quand ils viennent boire un coup, je leur fais le prix touriste. Pas vrai. Que c'est pas vrai, Jacqueline, enfin. Je vous avais dit un 4x4, Jacqueline. Un 4x4, pas une boîte à sardines. C'est pas vrai, ça. Et puis cette valise, hein? Où qu'elle est passée, cette valise? C'est quand même extraordinaire. Mais vous vous rendez pas compte, vous? C'est terrible ce qui nous arrive là, Jacqueline. C'est épouvantable, c'est une catastrophe. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive, hein? Jacqueline, donnez une carte à monsieur, s'il vous plaît. Jack Felbo, production Arnaque et Co. Paris 8e. Valise. Mais vous rendez compte un petit peu? Ma valise, j'ai perdu ma valise. Pourquoi? Il y a vos affaires, Odac? Ben non, il n'y avait pas des affaires. Il y avait le pognon, il y avait les subventions de notre putain de région. Oh, on se calme, hein. On se calme. Vous vous rendez compte? Il y avait toutes les subventions pour mon film. Quelle idée m'avoir envoyé tourner à ce pays à la con, alors! Il est sympathique, Langui. Mais vous l'avez perdu où, cette valise? Ben, je sais pas, là-bas, du côté du canal, là-bas. On était en train de faire un repérage. On peut pas me l'avoir volé, c'est pas possible, enfin. Et puis c'est une grosse valise, elle est aussi grosse que la bagnole. Tiens, mais vous vous rendez compte, mon film? Allez, va, calmez-vous. Tiens, buvez le coup. Là, c'est pour moi. Mais c'est pas de refus. Et
C'est quoi votre film? Hein? Votre film? Je sais pas encore, mais bon... Jacqueline, c'est quoi le titre du film? Le Val oublié. Voilà. Et bien maintenant, c'est la valise perdue. Il se fout de ma gueule. Bande de ploucs, hein. Oh, oh, Langui, se calmons. Ouais, okay, parfaitement des ploucs. Des ploucs, oui. Et puis qu'est-ce que c'est que cet accent de merde, là? Mais on peut parler français comme tout le monde, non? Attention. Putain de pays de merde, là, avec ses mouches, ses moustiques. Et puis ces cigales, là, attendez-moi ça, là. Ces cigales, là. Toute la journée, il y a des cigales, là. J'en ai fait des cauchemars, cette nuit, des cigales. J'en avais partout, des cigales. J'en ai plein le cul. Bon, allez, Jacqueline, j'ai besoin d'oxygène, on rentre à Paris, non? Mais c'est ça, cassez-vous, hein. Mais bon vin. Et bien, j'espère qu'ils sont pas tous comme ça à Paris, hein. Non. 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 Eh, malheureusement, chez nous, il y en a de plus en plus qui sont comme eux. Oh, qu'est-ce qui se passe? Rien, de l'argent qui s'est envolé. Oui, il tourne un film à côté. Il m'en corrompt peut-être d'argent, mais il m'en corrompt pas de conneries. Un film? Ils auront peut-être besoin de Starlette. Salut la compagnie. Allez dire au taulier que Raoul Poitou est arrivé. Qui ça? Comment? On joue les ignorants? Allez vite et que ça saute. Et tout doux. Ne vous énervez pas. Et pourquoi je m'énerverais, hein? Monsieur joue les lointains. D'ailleurs, je peux très bien lui claquer la gueule sans m'énerver. Mais ça va pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je connais pas Raoul, le mec. Il va avoir un réveil pénible. Moi, j'étais venu là en diplomate, à cause de vous tous, histoire d'éviter un bain de sang. Mais maintenant, c'est fini. À ma botte, je veux le voir. Mais je vous promets qu'il fera des excuses. Et au garde à vous. Ah, mais c'est ça. Je l'ai vu à la télé avant-hier. Les Doppelgängers. C'est ça, hein. Vous, vous êtes venu pour le casting. Ouais. Buvez le coup, hein. Merci. Alors? Ah, c'était bien, hein? C'était pas mal. Ouais, c'était... Attendez. J'ai d'autres registres. Hein. Et nous, les petits, les obscurs, les sans-grades, nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades, sans espoir de duché ni de dotation, nous qui marchions toujours et jamais l'invention. C'est beau ça, hein, ça. Oh ouais. Ah, c'est... Oh, ah là, chapeau l'artiste. Ça mérite une liche de plus. Ah. Merci. Merci. Attention, je bois. Mais mon jeu, lui, est sobre. C'est beau, hein. C'est comme au cinéma, hein. C'est bien, mais nous, on ne peut rien faire. Allez, les gars, soyez chic, quoi. J'ai plus besoin de bosser, moi. On dirait, moi, un peu plus belle, la vie, oh. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas partie du truc, là. Oui, le casting, c'est pas ici. C'est là-bas, derrière. Ah bon? Mais, entre nous,
j'étais comment? Comme ça, hein? Messieurs, je vous salue et cours dès à présent affronter mon destin. Le combat sera dur, mais je suis convaincu que la célébrité reconnaîtra les siens. Bravo! 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 Allez, reprends-toi, Piou Piou. C'est pas grave, hein. Ils te prendront une autre fois. Moi, je viens de Pampérigouste. Et il a fallu me lever à 4 heures ce matin. Il y a 18 km, hein. Et l'autre, il faut se le traîner, là. Reprends-toi, va. Tiens, voilà une cartouche. C'est pas de refus. Tiens, moi, je le savais. Il fallait aller attendre ces gens du cinéma. Voilà. Ah, et pourquoi tu voulais faire le comédien? Moi, je suis viticulteur, moi. Ouais. Et dans le coin où j'habite, la vigne, ça ne paye plus. J'ai bien essayé les œillets, hein, mais il n'y a plus d'eau. Alors, santé. Dans le village, moi. Dans le village. Depuis qu'il me répétait, toi avec ta tête de comique, à faire du cinéma, je me suis dit, j'y vais. Et qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu devais faire? Il demandait un soldat avec une vache. Alors moi j'ai retrouvé l'uniforme du grand-père qui a fait les tranchées en 16. Et voilà. C'est ça ta vache? Non. Non. Ça, chez nous, des vaches, il n'y en a pas. Alors... Et elle aura besoin de passer au maquillage. Chez nous, des vaches, il n'y en a pas. Mais les ânes, c'est pas ça qui manque. Oh! Hop! Piou piou! Oh! Oh! Il faut y aller! Thank you.
Et où sont ces fameux champs de lavande qu'on voit sur les cartes postales? Ah là, madame, faudrait peut-être aller un peu plus loin dans l'est de la France, vers le sud-est. C'est surtout en Provence que l'on cultive la lavande. C'est plutôt la vigne. Super. Bernard, c'est encore loin? On arrive, madame, on arrive. Encore environ 300-400 mètres, puis 600. Voilà, nous arrivons, comme je vous l'ai dit. Il n'y avait pas beaucoup à faire. Voilà le lieu du tournage. C'est rustique. C'est rustique. Madame ? Quelle chaleur ! C'est tous les jours comme ça, madame. C'est le sud, ici. À boire ! À boire ! À boire ! À boire ! Ah ! Mais quelle horreur ! Une horreur ! C'est du chardonnay et du bon ! Mais décidément, il n'y a rien de normal ici, dans ce bled ! Moi, Jessie Malo, on me fait traverser l'océan. On me fait venir tourner sous 37 degrés 2, sous le soleil. Non? On dirait une mauvaise scène dans un mauvais film de Godard. Où est le tournage? Par là. Mais attention, hein. Avec les talons, hein. En province. Vous êtes où? Allô, vous êtes où? C'est Jessie Malo. Malo? Malo capo. Parce que moi, je sais pas qui c'est. Mais elle a l'air un peu tracassée. Elle a recraché mon charbonnier. Prenez tout votre temps. Et pensez à prendre du poisson pour ce soir. Et prenez bien votre temps, hein. Tu as dit à quelle heure? Je lui ai dit à 11h, hein. Comme ça, il pourra rester avec nous jusqu'à 15 ou 16 heures. Hein. Ah oui. Et quand il vient livrer, hein, il vient pas pour rien. Il met le paquet. Et c'est pour ça qu'il a droit à une petite attention. Oui. Et si tu veux, après, on se prépare. Et à 18h, on va sur le tournage. Mais t'es pardi, t'as raison. Après tout, tu sais, hein, on n'est pas plus mal que les autres. Oui, hein. Okay.
Est-ce à qui a l'émotion pour le film? Je comprends pas. Est-ce à qui a l'émotion pour le film? Film? Ah, le casting! Non, c'est là-bas! Là-bas! Hop! Bonjour, Rakarak. Il y a un problème, c'est que je joue pas de guitare. Tiens, tu m'accompagnes, c'est Tommy. Ça va vous faire un choc. Je viens pour le casting. Je suis le roi du rock. Je suis le nouveau king. Je suis le roi du rock. Je suis le nouveau king. Ça va vous faire un choc. Ouais, je suis le nouveau king. Ouais, je suis le nouveau king. Oh, je suis le nouveau king. Le nouveau king. C'est bien, c'est bien. Mais le casting, c'est pas ici. C'est là-bas. Les nouvelles sont bonnes. Oh, ça pète de partout. Hein. Ouais, mais avant de tout faire sauter, qu'ils nous laissent faire les vendanges. Et surtout, qu'ils nous laissent aller à la pêche demain.
c'est vrai que ça défile. Hein. C'est un peu pénible. Hein. Attends. J'ai préparé quelque chose. On sera plus tranquille. Hein. Je dis que j'avais fait un peu de peinture à la mairie. Tu as fait un peu de peinture, mais tu n'as pas fait beaucoup d'orthographe. Hein. Ouais. Puis, ils sont partis, parce qu'ils n'avaient pas retrouvé leur valise. En fait, la valise... Avec Félix, on voulait presque la garder, cette valise. Parce que, attention, hein, il y en avait des sous à l'intérieur. Hein. Des liasses d'euros, des chèques, puis il y avait des contrats, des papiers, je te donne ça, tu me garantis ça, et tout, etc., etc. Ouais. Puis on a été pris de remords. On a eu peur. Surtout qu'on a appris que c'était la secrétaire du producteur qui l'avait jeté à l'eau. Ouais. C'est-à-dire qu'elle voulait se venger. Il lui menait une vie d'enfer. Oh oui. Oh. Il l'a traité comme une esclave. Et elle était amoureuse dingue de lui. Enfin. Puis on sait qu'il y aurait eu une enquête. Donc... on a préféré y renoncer. Ah. C'est pour ça, mon père, que je suis venu aujourd'hui vous demander l'absolution. Et puis surtout, je voulais vous parler. On ne se voit pas trop souvent. Mon père. Enfin. Mon frère. Bon, je t'absous, mon fils.
Ah, moi aussi, ça me fait drôle et bizarre de t'appeler mon fils. Mais surtout, de dire ça à mon frère jumeau. Mais, enfin... Parfois, tu n'es pas raisonnable. Pense que tu as une famille. Pense que Dieu te regarde de là-haut. Avec papa et maman. Hein? Dans sa grande miséricorde, il te pardonne. Et moi aussi. Dis, j'ai un pêcheur de mes amis qui m'a ramené quelques anguilles. Si tu veux, dimanche, sur le coup de midi et demi, tu passes au presbytère, j'aurai préparé une petite bourride. Allez, au revoir. Frangin. Tu vois, Félix, parfois je me demande si tout ce qu'on vit, c'est pas une grande mascarade. Oh, sûrement. Mais tu vois, ce qu'on vit là, c'est du vrai. Et du bon. Ah oui. Et puis, cocu, pas cocu. Le vrai cinéma, il est là. Elle est pas belle, notre histoire? Très belle. Très belle, Léon. Ouais. Et même, je vais te dire, en y réfléchissant bien, même d'être cocu, et bon, il s'y fait. Je te l'avais dit. Et puis quand on regarde tout ça, on s'aperçoit vraiment de l'insignifiance des choses. À la tienne, mon ami. L'amour nous fait danser entre l'ombre et le feu, comme un vin capiteux et ses reflets vermeils. Il nous chauffe le cœur, il nous laisse des bleus et il brûle la peau comme un coup de soleil.